Yo les gens, c'est Zach, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est parti pour la suite de la carrière avec Ignace, la suite de l'Open d'Australie, la demi-finale contre Alcaraz, la finale avant l'heure, hein, comme on l'a dit, la finale avant l'heure, les gars. Puisqu'on affronte sûrement des meilleurs tennisman du monde, les gars. Hein. On l'a affronté qu'une seule fois, on avait perdu. Ce serait un match équilibré, mais Ignace est en forme, cela peut faire la différence. Grande intensité au service pour limiter les chances d'Alcaraz de breaker. Ça va être dur, les gars. Hein. Ça va être dur, on avait perdu en finale. Ah bah oui, souvenez-vous, souvenez-vous, c'était l'année dernière. C'était l'année dernière. Non, c'était il y a 2 ans même, vu qu'on est en 2029, c'était il y a 2 ans. C'était bébé Ignace encore, hein. Il a bien progressé depuis. Ok, bon. Bon, les gars, on y va contre le monstre Alcaraz. Les gars, si on gagne, tu es dans une forme excellente ce match. Alors peut-être pas une formalité, on va peut-être pas déconner. On va plutôt dire ça. Je suis sur un bon match, certain, pour maintenir cette dynamique, parce que... Formalité contre Alcaraz, faudrait peut-être pas déconner non plus. On va respecter l'adversaire qu'on a en face de nous. Un monstre du tennis. On va le motiver. C'est parti. J'espère que tu vas être bon, mon petit Ignace. Allez, premier point pour toi. Allez, Ignace! Les gars, là, c'est vraiment le match tant attendu contre Carlos Alcaraz. Non, non, on va pas commencer à avoir de la chatte, Alcaraz. Hein. T'as pas besoin de ça, frérot. Ah là 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 là, Alcaraz, ça rigole pas. Elle serre un peu plus fort là. Qu'est-ce qui me fait, Ignace, là, me servir à 172 là? Envoie-moi tes pétards habituels. Voilà, Ace à 210, le premier. Le premier, comme d'hab, on vise la dizaine d'Ace, hein, peu importe l'adversaire. Oh, les gars, ça va être si dur, il va être sur toutes les balles. Ça va être un enfer. Allez, le premier jeu, il est pour Ignace. Mais ouais, on sent que ça va être extrêmement difficile d'aller battre Carlos Alcaraz. Il va pas servir très fort, je pense, mais il met beaucoup d'effets dans ses services. Oh là 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 là. Il sort le beau jeu d'entrée de jeu, Alcaraz. Hein. Et il va quand même réussir à mettre un ace. Hein. Aïe, aïe, aïe. Il sort le beau jeu d'entrée. Il montre qu'il n'est pas là pour déconner. Et ça fait un partout. Oh, le match va être tellement difficile, les gars. Ça va jouer sur des détails. Il va falloir un Ignace très 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 bon serveur aujourd'hui. Hein. Va falloir vraiment que tu me sortes de tes meilleurs services. Ah, c'est bien ça. C'est bien, c'est bien. Un petit ace là? Bah voilà, suffit de demander le deuxième ace. Le deuxième ace pour notre cher Ignace. Parce que à chaque fois, j'aime bien avoir la petite bataille dans le match, la bataille des aces. Ah, il est fort, les gars. Il est fort, et on est un petit peu plus fatigué que lui. Donc déjà, vu qu'il a un physique hors pair, il va pas se fatiguer du match, hein, vous allez voir. Hein. Il va très très peu se fatiguer. Ah, il égalise à 2 aces partout. Il égalise à 2 aces partout. Ah, première double faute, première double faute. Ok, il est capable de faire des doubles fautes quand même, ce crack. Mais par contre... Je pense que le breaké, ça va être clairement très compliqué à faire. Ah putain, si ça doit jouer sur des tie-breaks, hein, ça va être dur. Hein. Ça va être dur, les gars. En tout cas, bien, à la volée, il est très solide, là, Ignace. Allez, hein, tu peux le faire. Tu es capable. Allume-le. Oui, voilà. Aucune chance. Aucune chance. Avec lui, il faudra clairement pas être gentil. C'est bien. Tu sers bien. Ça fait 3-2. Dommage, un petit peu plus de puissance là, ça aurait été preneur. Par contre, gagner des rallyes contre lui, ça va. Oh non! Dommage, Ignace qui craque totalement là. Craque totalement sur ce rallye. Ok, c'est vrai qu'apparemment en volée, il est pas terrible. Le voir monter au filet, ça peut être pas mal. Ah, c'est dommage. C'est pas très très bien retourné ça. C'est un peu trop retourné sur lui. Et il va encore mettre un ace. Hein. C'est pas un très gros serveur, mais il nous met quand même des aces dans la gueule. Hein. Il nous en met quand même dans la gueule des aces. Et ça fait pas forcément plaisir. Non, Ignace, tu peux pas te craquer comme ça. Ah, et là, tes services, ils sont très moyens là. Hein. Ça le gêne pas du tout le service sur lui comme ça. Oh là là, j'ai eu peur qu'elle soit out. Allez, 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 c'est le moment de sortir un ace là. Ou un très bon service comme ça me va aussi.
Ça me va aussi. Magnifique, magnifique. Allez, petit ace là. Petit ace, petit ace. Pas d'ace, pas d'ace, pas d'ace. Mais c'est très bien servi quand même. Ça fait 4-3, il reste devant. J'ai l'impression qu'il est gentil là. Sois pas gentil avec lui là. C'est quoi ses retours. Ses retours merguez là. Voilà! Magnifique ce point. Il a bien, bien défendu. Ah, il est tellement dur à. Tellement dur à brain ce joueur. Ah, mais là c'est pile sur lui. Oh, il met dans le filet. Ok, il s'est un peu loupé. On prend clairement. Ah, il va te smasher la gueule, dommage. 30 à. Ah ouais, mais ses retours, tu peux pas retourner comme ça. Arrête d'être gentil avec lui comme ça. Un retour tout mou sur lui. Ben oui, mais c'est trop facile, Ignace. Arrête de lui donner des points si simples. Oh, le service volé. Le service volé qui est tenté et qui est complètement loupé. Aïe, 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 Ignace. Il va falloir être un peu plus imaginatif que ça. Ça, par contre, j'aime beaucoup. Allez, relâche-toi un peu. Ah, le problème, c'est que il y a beaucoup moins de premières que contre les K déjà. Hein. Beaucoup moins de premières. Ok, il met beaucoup de choses dans le filet. Oui, très bien. 5-4, on reste devant dans cette première manche. Ah, Ignace, 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 mon bébé Ignace. Je sais, c'est dur, hein, c'est un monstre en face, c'est un monstre absolu. Ça va être extrêmement difficile. Mais voilà, il faut retourner comme ça, on voit lui des missiles. Envoie-lui des missiles. Voilà! C'est ça qu'on veut voir! Ah, t'es pas dessus. Dommage, dommage, dommage. Je pensais que t'étais dessus. Ah, dommage. Dommage, mais au moins j'ai bien aimé là. 2-3 retours intéressants. Ah, un petit ace, ça faisait longtemps. Parfait. On aime ça, les aces ici. Voilà, parfait ça. Je crois qu'on va commencer avec un tie-break, les amis. Hein. Je crois qu'on va commencer avec un tie-break cette première manche. En tout cas, il y a 6 jeux à 5 pour Ignace. Oui, bien joué. Il a voulu service volé. Il s'est fait avoir. Putain, mais c'est dur parce qu'il ne sert pas très fort. Hein. 158 km, c'est de la merde. Hein. Mais. Ah, il est trop fort, les gars. Il est trop, trop fort. C'est tellement dur, les gars, de le dépasser. Magnifique, ça. Allez, 30 à. Ah! Dès qu'il sert extérieur, il prend le point. C'est quasiment systématique. Hein. Extérieur égale, il prend le point, les gars. Allez, out. Ok. Allez, 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 faut qu'il commence à douter un petit peu. Ah, mais c'est sur lui. Oh, il l'a mis aussi au mid, heureusement. Parce que c'était un point free, sinon. Allez, out! Et tu vas t'offrir une balle de break et une balle de 7 même. Oh non, tu peux pas. Oh oui, t'es dessus, let's go. Non, Ignace, putain, la volée! Ah, Ignace. Ah, Ignace, non, Ignace! Ah, tu peux pas contre Alcaraz louper ces opportunités-là. Et on va aller au tie-break. Bon, on va mettre la puissance. Le max de puissance. Le max d'intensité plutôt. Ah, tu pouvais pas la louper cette volée, champion. Tu pouvais pas. Peut-être faire ça comme ça. Oh là là, c'est dur, il est dessus. Ah, il est fort, il a été si vite sur cette balle, les gars. Il a été si vite sur cette balle. Putain, ça va être un enfer de battre Alcaraz. Ça va être un enfer. Ouais, c'est bien, il fallait lâcher le revers de 2. Parfait, tu peux le faire. Non, il va t'allumer. Voilà, la rallye contre Alcaraz, on n'est pas serein, mais c'est lui qui craque, heureusement. C'est lui qui craque.
Dommage, c'était un beau C'est retour, hein, mais putain. Même les bons retours, ils oh, s'appuient ça dessus coûte cher. pour nous assassiner. Là là, le match de baiser contre Alcaraz, non, le match de baiser. Il est trop fort, les gars, il est trop fort. Ah, c'est bien ça, parce que faut éviter d'aller au rallye sur ton service avec lui, hein. Putain, il l'a fait chier. Non! Je croyais qu'elle était out. Mais on va quand même au rallye du coup. Et au rallye, c'est dur. Et non, il craque et il lui donne. Non! Non! Et du coup, il a une balle de première manche. Et voilà, ça se joue sur des petits détails. Oh, il a de la chatte. Oh là là, là, je suis dégoûté. Oui! Let's go, elle est effacée. Allez, un bon service. Non, Igna, c'est quoi ça? Putain, il est sur toutes les balles, il est trop chiant. Et voilà, il a craqué. Il est trop fort, les gars. Il est tout simplement trop fort. Il va remporter cette première manche. Ah, c'est dur, hein. C'est dur, c'est dur, c'est dur, les gars. C'est dur, c'est dur. Allez, tu vas revenir dans le match, j'ai confiance. Mais c'est très dur, hein. On n'a pas de solution contre Alcaraz. Il est juste trop fort, les gars. Défensivement, il est sur toutes les balles. Offensivement, il est exceptionnel aussi. C'est une marche très très haute. C'est une marche très très haute. C'est une marche extrêmement haute. Et dire qu'il est. Oh non, mais par contre, Ignace, faut. Allez, on reste dedans. On a perdu la première manche. C'est pas grave. Il est monstrueux, les gars. Il va falloir qu'il fasse preuve d'une baisse de régime, sinon je vois pas comment on pourra le gagner. Hein. Après, bon, c'est pas fait break pour le moment. Hein. Personne s'est fait break. Ça a été au tie break, malheureusement. Voilà, petit détail. Petite balle qui va out, qui change absolument tout. Allez, Ignace, s'il te plaît. Allez, allez, on arrête tout de suite de donner des points faciles. Voilà, merci. Ah, parce que là, il doit tout simplement être à son prime, Ignace. Hein. Par contre, il y a très peu de premières, hein. Ça m'embête un petit peu, ça, Ignace. Hein. Tu vois, ça, c'est non, ça. Il sert à 159 sur toi, ça se transforme en comme ça, là. Hein. Faut retourner mieux que ça, frérot. Hein. Faut vraiment retourner mieux que ça. Allez, Ignace, bordel! T'es capable de les mettre, ces volets-là. Non, tu vois, il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas de puissance, Ignace. Qu'est-ce que tu me fais? Mets de la puissance, je t'en conjure. Ah bah c'est dur, c'est dur. C'est très dur les gars. Il est vraiment trop fort. Le breaké, ouais. Putain, on a eu une balle de break, hein. Ah, on a eu une balle de break, hein. C'est beau ça. Honnêtement, là, ce point est très très beau, Ignace. Bon, un peu anecdotique, hein. Parce que là, il va te mettre un ace. Essaye de le motiver. Ok, génial, il s'en bat les couilles. Ok, ça passe, ça, on prend. C'était bien servi, ça. Non, mais elle est facile cette volée! Putain, Ignace! Là, attention, les points faciles, là. Non, 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 non. On veut pas voir ça, là. Les points faciles, tu me les mets, hein. 166, je comprends pas des fois comment en première balle, il envoie un 166. Ah ouais, mais tes volées, elles sont pas assez concrètes, là. Ça va pas, là, Ignace, ça va pas du tout. T'es en train de jouer facile. Et tu vas le payer. Aïe, 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 balle de break. Oh non, non, Ignace, il est en train de lâcher, là. Oh là là, c'était chaud, hein. À tout moment, c'est dans le filet. Ah, il passe plus ses premières, les gars. Il passe plus ses premières, c'est terrible. Ah là là, non, mais Ignace, bordel! Oh, il n'y a plus une seule première, il n'y a plus rien. Non, Ignace, là, t'es en train de craquer, tu fais chier. Tu fais chier, tu fais chier, il va se faire break, hein. Bah ouais, c'est évident. Tu le sens quand il va se faire break, tu le sens. Oh non, Ignace, t'as pas le droit, t'as pas le droit de lâcher comme ça. T'as vraiment pas le droit, Ignace, hein, vraiment, là, t'es relou. T'es relou, t'es relou, hein. Aïe, 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 encore une fois, donner autant de trucs à Alcaraz, frérot, c'est Alcaraz en face, c'est Alcaraz en face!
Tu joues pas contre le 200e mondial, tu peux pas te permettre de lui donner tout ça. Oui, bah vas-y, joue. Allez, encore sur lui, allez. Oui, encore sur lui. Non, mais c'est. C'est un golem en fait, Ignace, il est complètement con. Le golem ultime, les gars. Hein. Oh là là, non, mais là, il n'y a rien. Hein. Là, il n'y a plus rien. Ah, c'est trop tard pour les Aces maintenant. Il n'y a plus rien, les gars. Il n'y a plus rien chez Ignace, il a lâché ce set et on va être au pied du mur. On va être au pied du mur, il va falloir remonter ça. Je sais pas comment ça va être possible de remonter 2-7 à Alcaraz. Ah là 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 là. Alors que t'es capable, hein, t'es capable de les gagner ces jeux-là. Ben, regarde, t'es capable de les gagner très facilement. Bien sûr que t'es capable. C'est juste que tu te chies dessus. Et t'es pas à la hauteur du rendez-vous. C'est vraiment dommage. Ouais. Après c'est un monstre, hein, mais je suis quand même déçu de la manière dont il lui donne tout, quoi. Il en a pas besoin en plus, hein. C'est surtout ça. Hein. Premier set, tu lui as pas donné, il a quand même gagné, donc il en a clairement pas besoin de tant d'offrandes, de tant de cadeaux. Il nous baise. On se fait baiser par Alcaraz. Il n'y a même pas, ouais, il n'y a même pas de débat. Pour l'instant, il est meilleur, beaucoup plus constant, beaucoup plus fort dans tous les compartiments du jeu. Et va remporter la deuxième manche. Ça, par contre, si on perd en 3-7, je suis dévasté. Hein. Si on perd en 3-7 sec comme ça, je suis dévasté, les gars. Hein. J'aurais voulu un match un peu plus serré. Hein. C'est beau, ça. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Par contre, le match précédent, t'as mis 91 de première. J'aurais bien voulu que ce soit contre Alcaraz que tu mettes 91 de première. Hein. C'est beau, ça aussi. Ah, il n'y a pas de première, hein. Il n'y a pas de première, Ignace. Hein. Il n'y a pas de première, c'est chiant. C'est chiant de baiser. Hein. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien, mais ça va pas suffire. Parce que là, maintenant, c'est open bar. Hein. Je vois pas quoi faire de mieux pour. D'ailleurs, j'ai pas baissé l'intensité. Ouais, voilà, ça, comme ça, c'est mieux. En retour, c'est mieux. Allez, t'es. Ah, mais tu vois, t'es dessus et tu la mets à. Oh, putain, Ignace, t'as vraiment fait aucun effort dans ce set. Hein. Bon, elle est bonne, ok. En fait, c'est un coup, tu retournes magnifiquement bien. Un coup. Ok, t'es dessus, bien joué. Ah, mais il est trop fort! Il est trop fort, les gars! Tu penses être revenu du plus dur, et non. Derrière, il te renvoie un revers exceptionnel. Et voilà! Deux manches à rien. Aïe 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 aïe. Un seul ace. Ah non, c'est sur le set. 4 aces partout. Ouais, 67% de première. Non, Ignace, tu peux pas me faire ça. Tu peux pas me faire ça. Balle de break 0 sur 1, 1 sur 2. T'as plus de coups gagnants, mais un seul service gagnant. J'imagine qu'il y a beaucoup plus de fautes directes. Ah, pas tant que ça, 14 à 8. Ah, c'est les petits détails qui font. C'est les petits détails, hein. Tu as tout un peu rebondir. Tu joues trop facile et voilà le résultat. Je sens son attitude sur le court, clairement. Clairement, tu joues trop facile. Il est temps de te réveiller. Il est temps de te réveiller, Ignace. Et de le faire douter un petit peu en remportant ce. En remportant ce set. Hein. Après, bon, les gars, regardez la fatigue. Hein. Forcément, on aura un big désavantage si on doit aller plus loin. Clairement pas comme ça qu'on aurait voulu commencer le match. Oh là là. Comment tu peux la mettre si loin dans le couloir cette volée? Ouais. C'est trop problématique, les gars. Il a pas de première. Il passe pas ses premières. C'est terrible. Terrible, terrible, terrible. Je comprends pas pourquoi il est si nul en première aujourd'hui. Ah, encore une fois, pas de première passée. Ça l'handicap de fou, hein. Ça l'handicap de fou malade. Alcaraz en rallye, c'est un monstre absolu. Il va se craquer quand même un petit peu. Et on prend le premier jeu. Parce qu'Alcaraz, tu peux devenir un peu moins fort, s'il te plaît. Jouer un tout petit peu moins fort. Est-ce que c'est possible d'avoir un Alcaraz qui donne aussi un petit peu? Ouais, c'est beau ça.
C'est beau, ça, Ignace. C'est des coups comme ça que tu dois sortir, mais tellement plus souvent contre lui. C'est ça qui est dur. Hein. Ouais, voilà, et derrière, tu mets une balle out. Derrière, tu mets une balle out. Celle-là, tu n'essayes même pas d'aller la chercher. Ah, Ignace, c'est bon, t'es relou, là. C'est bon, c'est bon, c'est bon, t'es fatigant. Des retours simples comme ça que tu mets loin derrière. Et toujours pas de première. Non, mais c'est une folie de mettre si peu de première, là. C'est une folie, les gars. C'est une folie de baiser. Hein. Ah, c'est bien, tu mets des points de fou, mais j'aimerais que tu passes tes premières. Hein. Voilà, bizarrement, une première balle, boum! Qu'est-ce qui se passe? Tu mets le point direct. Allez, allez, champion. T'en donnes trop, Ignace, t'en donnes trop. Là 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 là, c'est une cata! C'est une cata, Ignace! C'est des points faciles, ça, normalement. Aïe, 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 les gars, il veut pas. Hein. J'ai cru qu'il était dessus encore. Ah, chaque jeu de service, ça commence à être dur. Hein. Et ça, vous savez que c'est pas bon signe. Hein. C'est jamais bon signe. Il y a forcément un moment où il va craquer. Arrête de jouer sur lui, frérot. Mais ouais, parce que tu la mets out derrière. Non, mais c'est trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Advantage. Ouais, là on a un Ignace. Un Ignace clairement pas dans son tennis. Ah, je suis un peu dégoûté. Ah, voilà, il loupe tout, les gars, il loupe tout, ça y est. Hein. Ça y est, on est déjà un Ignace à chier, voilà, je le dis. Ouais, voilà, Advantage. la balle de break déjà dès le deuxième jeu. Kata. Et voilà, il arrive. Oh non, mais comment c'est possible de faire ça contre Alcaraz? Mais non, mais les gars! Oh, je suis dégoûté. Il a tout donné, frère, il a tout donné. Il donne tout à Alcaraz, il fait n'importe quoi là, Ignace. Ah bah clairement pas à la hauteur du rendez-vous, hein. Clairement pas à la hauteur du rendez-vous. Dévasté par le niveau d'Ignace. Qui a perdu son service, qui a tout perdu. C'est dur. Oh là là, non, mais Ignace, comment t'es nul? Comment t'es nul? C'est trop grave d'être nul comme ça, Ignace. C'est trop grave, c'est trop grave, c'est trop grave, c'est trop grave, c'est trop grave. Ouais. Ouais. Eh ben, franchement, les gars, je suis extrêmement déçu du match que nous a proposé Ignace. Hein. Très 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 déçu. Il n'y a que le premier set qui était ok et voilà malheureusement le tie break voilà. Mais les deux autres sets là c'est terrible. Hein. Le niveau de jeu il est désespérant. Hein. Les breaks c'est lui qui les a donnés mais comme souvent. Hein. Comme souvent c'est lui qui donne tout sur les breaks. Ah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté les gars, dégoûté hein. Vraiment là, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi nul. Hein. C'était clairement pas le match pour être nul. Hein. C'était clairement pas le match pour être nul. Et là, il n'y a rien. Hein. Il va pas du tout l'inquiéter. Ah, je suis dévasté, hein, dépité de ce match. Hein. Le premier tournoi du Grand Chelem, ce sera toujours pas pour aujourd'hui, les gars. C'est important la finale. Bon, je veux pas dire qu'elle a été free, hein, mais la finale aurait été prenable. Malheureusement, malheureusement, il n'y a rien à faire. Hein. Il n'est pas au niveau. T'as été pas out celle-là, là, vous foutez de ma gueule. T'es totalement out là. T'as arrêté de nous mentir. Ah ouais, putain, c'est dommage. Hein. C'est vraiment dommage. Pourquoi je suis là, essayer d'assassiner Ignace là. Je reconnais. Allez, arrache-toi. Comment tu peux la mettre dans le couloir comme ça? Ah, dès que c'est les points importants, tu fais nimp, hein, et voilà. Et voilà, le break est bien confirmé. Ah, franchement, Ignace, tu dégoûtes. Hein. Oh, regarde ça, les points si simples. Les points si simples qui met dans le filet, quoi. C'est trop grave.
C'est trop trop grave les gars, vraiment c'est des points qu'il met tous les jours normalement. Tous les jours des points ça. Ah oui d'accord. Ok d'accord, il n'y a plus aucun effort. Il est en train de craquer complètement. Il est en train de lui donner le match totalement. Il se bat même plus. Ah franchement les gars, ouais. Pas ce qu'on aurait voulu hein. Ah, j'aurais voulu quand même au moins un peu plus de suspense, quoi. Au moins un set gagné par Ignace, quoi. Il aura même pas réussi à gagner un set, les gars. Il aura même pas réussi à gagner un set, sauf s'il décide de se réveiller là. Et bon, faut des breaks, quoi. Faut des breaks et pour l'instant, il a pas réussi à le break une fois, donc bon. Ah, il est dessus. Ouais, il est trop fort. Il est trop fort, les gars. Je pensais que c'était point, il est dessus. Le mec il s'arrache aussi en face. Il lâche pas le moindre petit point. Ok. C'est beau, hein, c'est beau. Mais ça risque d'être insuffisant malheureusement. Ça risque d'être insuffisant. En plus, on commence à se cramer. Lui, il est en forme. Encore capable de nous mettre des aces de fou. Ça, c'est point facile. Ouais, non, il n'y aura rien à faire, les gars. Il n'y aura rien à faire. Malheureusement, Ignace va s'incliner. Et d'une façon dégueulasse, qu'il a vraiment donné tous les breaks, quoi. C'est tellement dommage. Voilà, encore une fois, il met des balles tout le temps out. Pas été à la hauteur aujourd'hui, mon petit Ignace, hein. Pas du tout à la hauteur même, hein. Très déçu de ton match. Très, très, très déçu de ton match. Vraiment, c'était le pire jour pour jouer comme ça. Et t'as décidé de jouer comme ça. C'est triste. Mais c'est comme ça, encore une fois, bah t'as tout simplement pas le niveau. Hein. Tout simplement pas le niveau. Dès que le niveau en face est présent, bah toi tu te mets pas au niveau malheureusement. C'est bien de gagner contre les 30e et tout, mais c'est là qu'il faut vraiment sortir le vrai niveau. C'est là, mon chaton. Oh, je tente quand même de mettre full intensité hein, pour. Oh, ouais, non, mais frère. Mais regardez ça, il n'y a vraiment aucun effort, il n'y a aucune volonté là, il n'y a aucune volonté. Bah, laisse tomber. Voilà, 3 balles de match pour Carlos Alcaraz qui va écraser Ignace. Voilà, c'est fait. Là, on est extrêmement déçu. Extrêmement, extrêmement déçu. Pourquoi on peut pas lui insulter sa mère et lui dire t'as été nul? Pourquoi on peut pas lui dire tu as été nul? Je suis obligé de lui dire un truc positif alors qu'il a été nul. Ouais, dommage, hein? Dommage, dommage. Et la finale, du coup, est-ce qu'il va la gagner? Et ouais, il l'a gagné 6-4, 6-3. Bon, Alcaraz était très chaud. Était très chaud, mais ouais, la marche était trop haute, les amis. La marche était trop haute. Avec la demi-finale, on va quand même passer 4e mondial. Ah, quand même. Ah, quand même. Quand même, quand même. Alors, du coup, un petit peu le classement ATP, là. On est quand même quatrième avec 4 500 points. On est toujours derrière Tsitsipas. On est passé devant Rublev, devant Jack Draper. Ok. Je pense qu'un qui a fait un bond de fou, c'est Bastola. Ah oui. Ah ouais. Effectivement. Il a fait un bon petit bond. Il était 75e. Il est passé 22e mondial, Christopher Bastola. Ah, il a fait un bond de baiser. Mais toujours pas de grand tournoi gagné, les gars. Hein. Ça qui est frustrant. Toujours pas de grand tournoi gagné. C'est qui lui? Patrick Kamchibekov. Ouais, ok. Les petits jeunes, là, faut voir les petits jeunes qui sortent. Et chez les filles, c'est qui? C'est Elisa Horvitt. Elisa Horvitt, ok. Là, un petit peu chez les filles, c'est qui? C'est Sabalenka. Ouais, Andreeva qui est là. Brenda, ouais, les petites jeunes. Hein. Ah, Efremova qui est déjà là. Hein. Efremova, Gotesk. À 19 ans, Gotesk. À 18 ans, Yael. Je regarde un peu les jeunes qui marquent pas mal de points. Peut-être essayer de prendre un nouveau joueur en backup. Les jeunes qui marquent pas mal de points. Bon, il n'y en a pas beaucoup chez les filles. Ouais, on a qui? On a Keshav Zhang ici. Qui n'a pas l'air non plus exceptionnel. Il a 18 ans. Ah, il n'y a pas. Ah, il y a Marcus Mezarovic. Ok, bon, qui a du taf encore.
Mais il a 1290 points quand même. Est-ce qu'on a mieux? Pas vraiment. Et puis 19 ans, bon, 19 ans, 19 ans, 19 ans. Bah 19 ans, il y aura. Bah, il y a Moïse Kwame déjà. Et il y aura Bartola du coup. Hein. Bartola le GOAT. Hein. Ouais, Christopher. Bastola, pas Bartola. Il y a Michael Antonius aussi qui a que 19 ans. Ok les gars, bon, on va se laisser ici pour cet épisode. Hein. Très 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 déçu. Encore une fois, on n'y arrive pas. Hein. On n'y arrive pas en grand chelem. On n'y arrive pas. Toujours pas. Toujours pas les. Ouais, toujours pas ce qu'il faut quoi. Toujours pas ce qu'il faut pour aller au bout. Maintenant, prochain rendez-vous, ce sera Roland-Garros. Il y aura des petits tournois entre, mais nous, on ne veut que le grand chelem. On ne veut que le grand chelem. Donc rendez-vous demain pour la suite de cette carrière. En attendant, moi, je vous fais des bisous. Et je vous dis bye les gens.